Bonjour à tous, c'est Bérénice et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous fais une vidéo déballage aujourd'hui des produits de chez DIY Shoes. J'ai encore eu la chance d'avoir un partenariat avec cette boutique. Je remercie beaucoup, je remercie du fond du cœur Jenny, donc c'est la responsable que j'ai en ligne, que j'ai contact avec elle par mail. Donc merci beaucoup à Jenny de leur collaboration avec la boutique. Ils m'ont fixé un budget de 15 $. J'ai choisi une, deux, trois produits dans la boutique. Donc un accessoire et deux toiles. Une toile en DP, une toile en point de croix. Une livraison en 14 jours. Très correct, franchement, nickel. Aucun problème. Actuellement dans la boutique DIY Shoes, vous savez que vous pouvez retrouver du loisir créatif comme le point de croix, les diamond painting, le toutes sortes de loisirs créatifs, hein. Il y a vraiment de tout, de la peinture par numéro, il y a toutes sortes. Faut aller jeter un œil, franchement, tout est bien répertorié. Actuellement, vous avez la promo du printemps. Donc, si vous achetez 4 toiles, vous en avez une gratuite. Si vous en achetez 8, bien sûr, vous en avez 2. Si vous en achetez 12, vous en avez 3 gratuites. Vous avez la livraison qui est gratuite à partir de 49 $. Et vous avez à partir de 20 $ d'achat, vous avez 8% supplémentaire avec le code DC8. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Tout est cumulable. Donc, profitez-en, ça vaut la peine. Donc, achetez, prenez 4 toiles, vous en avez une gratuite. En plus, vous arrivez à 20 $, vous avez 8% avec le code DC8. Donc, allez faire un petit tour, n'hésitez pas. Vous allez voir, il y a plein, plein, plein de chouettes choses. Moi, en attendant, je vais vous montrer ma petite sélection. Alors, je n'ai pas encore ouvert le colis. On va l'ouvrir ensemble. Hop. J'ai pris ma lame de bistouri. Alors, 1, 2, 3. C'est ça. Alors, on va commencer par celui-là. Oh, je le voyais beaucoup plus petit. Ça a l'air d'être top. Ah, c'est cool. Alors, ça se présente comme ceci, dans un petit sac. Donc, on a bien sûr les perles qu'on va regarder après. On a un toolkit avec le stylet Cole Barquet dans un sachet zip. Et on a ici une petite pochette, comme ça. Donc, moi, j'ai choisi ce motif-là avec des fleurs. Vous voyez, avec toutes les couleurs. Oh, il est super beau. Franchement, à diamanter, ça va être canon. Regardez-moi les couleurs. À mon avis, dans les perles, ça va être pétant. Alors, on voit qu'il y a des perles spéciales. Vous voyez? Là, le E. Alors, je ne sais pas si les 3. Non, les 3, ça va être des classiques. Mais les E, le C, le D, les F, les B. Oh, il y a plein de perles spéciales. Ça va être chouette. Alors, au niveau de la colle, ça colle super bien. Donc, vous voyez que ça, il y a des deux côtés. Et en fait, à l'intérieur, c'est un miroir. Regardez. Vous voyez, c'est un miroir. Hop. Donc, ça, c'est top. Franchement, vous voyez. Donc là, c'est du simili-cuir. Hop. Et ici, on a le miroir. Alors, je ne vais pas vous repencher, sinon vous allez tout voir l'envers du décor. Donc là, vous voyez déjà le téléphone qui est sur le pied. Mais sinon, vous voyez le miroir, donc assez épais. Hop. Attendez, comme ça, vous voyez l'épaisseur du miroir. Voilà, là, vous voyez l'épaisseur du miroir. Donc, il est collé, hein, je pense, dessus. Ah ouais, regardez, hop. Ouais, c'est collé dessus, vous voyez. C'est collé au bout. Et donc, vous refermez ça. Donc là, je vais remettre ça pour protéger. Et recto verso à piluler des deux côtés. Il est vraiment top. Franchement, j'adore. Trop, trop beau. Alors, au niveau des perles, c'est du strass.
Alors. On a du orange, du rose, jaune orangé. Alors, on a des gouttes jaune orangé. Et on a des yeux de chat transparents. Donc, on en a déjà deux, des perles spéciales. Ici, on a des strass mauves. Ouais, c'est mauve. Strass vertes, strass bleues. Oh, ils sont trop belles. Oh, le dégradé de couleur, ça va être magnifique. Des strass bleu foncé. Alors, regardez les perles spéciales encore ici. Regardez comment elles sont trop belles. Ici, les yeux de chat fastés dans les tons verts. Ici, les dômes sont trop beaux aussi, transparents. Ici, avec un reflet, trop beau. Ici, vert. Et ici, les gouttes orangées, rouge-orangé nacré. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 perles spéciales. Franchement, c'est top. Elles sont trop, trop belles. Franchement, c'est trop, trop beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, je suis vraiment pas déçue. Je me demandais comment ça allait être. Et franchement, c'est super beau. Moi, je dis que les couleurs, ça va vraiment bien donner dedans. Là, ici, ça va vraiment faire un dégradé de couleurs. Waouh. Waouh. Donc, ce miroir sur le site de DIY Shoes est au prix de 9,59 $. Donc, 9,59 $ sur le site de DIY Shoes. Donc, vous voyez que là, c'est en simili-cuir. Comme ça, si je l'ouvre, hein, bien sûr, là, il y a la pliure. Hein, donc, ça, c'est un peu abîmé, forcément. Mais top, top. Franchement, pour un cadeau ou quoi, c'est vraiment super beau. Superbe. N'hésitez pas à aller voir dans la boutique de DIY Shoes. Vous allez voir, il y a plein de petites pépites comme ça. Ça, c'est vraiment très, très joli. Hop. Alors, deuxième petite chose, et ben on va partir sur le point de croix. J'ai pris ça. Oh, j'ai pas déjà pris dans les tons jaunes? Non, j'avais pris dans les tons bleus, je pense. Oh, j'espère. Je vais une fois vérifier. Alors, l'autre, c'était dans les tons vert-bleu. L'autre, j'avais pris le spring. Ah ouais, l'autre, j'avais pris l'été, printemps. Et là, j'ai pris automne. Automne. J'ai eu peur que j'avais pris le même. Donc, un 14 CT, un 16 par 16. Donc, le deuxième de la collection. Alors, bien sûr, au dos ici du papier. Donc, c'est dans un papier avec... zip, hein. Donc ici vous avez toutes les infos concernant le point de croix. On a la toile, regardez, imprimée, donc une petite toile en 16 par 16. Donc la 16 par 16 c'est la taille de la toile, hein. Moi mon dessin il fait 11 par 11, ouais, 11 et demi par 11 et demi. Donc le paysage dans les couleurs de l'automne. Donc on a une table matière ici en bas. Que du backstitch, que du full stitch et du backstitch. Il n'y en a qu'un en backstitch. Donc ça, ça va. Donc la toile est surjetée sur les côtés déjà. Donc nickel. Moi, j'aime bien des petites toiles comme ça. Et ici, au niveau de la feuille de route, ben, j'ai ici ma feuille avec mon patron. Je vais tourner. Ah oui, ici. Et derrière, j'ai mon full stitch, donc 20 couleurs en full stitch et une couleur en back stitch, le 16. Donc j'ai 20 couleurs au total. Donc j'ai tous les 20 couleurs, les symboles et toutes les DMC. Et au niveau des couleurs, alors on a une plaquette comme ceci qui arrive. Donc tous les fils sont numérotés ici sur la plaquette, donc de 1 à 20. On a le nombre de fils
qu'on a besoin. Donc j'en ai besoin un, j'en ai besoin d'un demi, j'en ai besoin d'un. Voyez la quantité nécessaire. On a les DMC écrites en dessous. Et ici toutes les couleurs. On a ici le petit toolkit, donc deux aiguilles pour les 14 CT. Et au niveau des couleurs, ben écoutez, on a du jaune, du noir, du rouge orangé, du marron, du vert kaki. Je prends le marron, mais je ne vais pas le prendre. Du vert kaki, deux teintes de mauve, deux teintes de vert. Ensuite, on a du jaune, trois teintes de bleu et une teinte de rose. On a alors, c'est plus bordeaux que marron. Ah. Quoique. On c'est entre les deux. C'est vraiment entre marron et bordeaux. On a du orange, on a du jaune, on a du vert et on a du blanc. Donc, 20 couleurs pour cette petite toile en 14 CT. Une toile en 16 par 16. Vraiment trop belle. Elle est vraiment super belle. J'aime bien des petites toiles comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Là, en ce moment, je suis occupée sur un coussin. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus long, quoi. Mais des petites toiles comme ça, ça c'est rapide à faire. C'est plus facile, je trouve. Alors, cette petite toile, je ne vous ai pas dit le prix. Donc une toile de Joe Sunday, elle était au prix de 3,09$ sur le site de DIY Shoes. Et la dernière toile, ah oui, j'avais oublié, c'est une toile pour Pâques. Je vais vous montrer. Voilà, donc un petit œuf de Pâques avec un petit gnome dedans. Les petits œufs de Pâques, les fleurs, les papillons, ça sent vraiment l'été. Hein. L'été, le printemps qui commence, franchement top. Alors, je vais devoir la mettre bien à plat parce qu'on voit qu'elle a souffert un peu. Elle est vraiment abîmée, enfin, vraiment bien pliée. Alors, au niveau de la toile, elle est pailletée. Regardez comment elle est fort pailletée. Au niveau des couleurs, on a 18 couleurs. Donc, on a les symboles et les DMC. On a une table des matières en haut à gauche, en bas à droite. On a toutes les instructions en bas. Au niveau de la colle, ça colle super bien. Au niveau de l'impression, franchement, on est top. On n'a pas de cercle noir autour des symboles. Franchement, nickel. On a l'image de rappel ici. On a le numéro de la toile et la taille, une 30 par 30. Donc en diamant rond. Et c'est des sachets ripambelles comme ça. J'aime pas du tout ces sachets-là. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas fan. Déjà parce qu'il n'y a pas le numéro déjà dessus. Donc on ne sait pas voir si c'est les bonnes perles par rapport à la toile. Et dedans, là, vous voyez, tout est en sachet comme ça. Après ça, on ne sait pas le savoir à l'avance. Et voilà toutes les couleurs. Je ne vais pas tout sortir parce que sinon c'est la misère pour remettre dedans. Mais on a du vert, on a du blanc, du rose, du mauve, du bleu, différentes teintes de rose, encore du beige, du blanc, du couleur peau, du gris, du noir. Oh, je pense pas que c'est noir. Non, c'est pas noir. À mon avis, c'est 939. Ouais, c'est 939. On a du blanc, 3865. Ouais, on a vraiment un beau panel de couleurs quand même. Hein, quand on regarde les jolies couleurs. Hein. Donc en diamant rond. Voilà. Elle est vraiment belle, elle est vraiment jolie. En 30 par 30 comme ça, elle est vraiment très jolie. Donc cette petite toile donc en 30 par 30 sur le thème de Pâques était au prix de 3,99$. Donc celle-là, elle est dans les nouveautés, hein, bien sûr. Le miroir est dans les nouveautés aussi. Et le... Je ne sais plus si le point de croix était dans les nouveautés. Je pense aussi. Et je pense aussi. Donc voilà, je vous remontre la sélection. Donc la toile avec le gnome... de Pâques, ma toile point de croix
le paysage d'automne. Et ici, le miroir, je vais le mettre dans ce sens-là, avec les fleurs et le dégradé de couleurs. Donc tout ça, vous retrouvez sur le site de DIY Shoes. Moi, je vous mets toutes les infos des produits en barre de description. Je vous mets aussi en barre de description tous les codes promo et les promos du moment. Comme ça, vous n'avez qu'à jeter un petit coup d'œil. Moi, je remercie encore la boutique DIY Shoes pour leur partenariat. Je vous remercie, vous, de me suivre et chaque jour être un peu plus nombreux. Je vous remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à vous que les boutiques m'envoient des produits. Je vous refais des gros gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous. Salut !